Salut les anciens, c'est Braz. On se retrouve pour le deuxième jour à Tokyo. Le premier jour, il y aura eu peu de vidéos parce qu'en fait, on a fait beaucoup de visites. Donc vous allez voir que j'ai peu parlé. Dans les premiers jours, on a vu un seul mandarake. On a fait un truc geek du UFO Catcher. Mais en général, c'était plutôt visite de Tokyo avec un ami à mon frère. Mais aujourd'hui, on va faire que des trucs geeks. C'est-à-dire que là, on essaye de trouver le G-World. On cherche. On sait pas où c'est, mais c'est par là en tout cas. Après, on va à Nakano Broadway et après, on finit par le musée Ghibli. Donc il y aura masse de vidéos, surtout je pense à Nakano Broadway, j'essaie de vous filmer plein de trucs parce qu'au niveau des prix et des figurines etc, c'est la folie. Mais en tout cas, on cherche le G-World et je vous filme ça. Après environ une demi-heure de recherche quand même, on a bien galéré. Ça y est, on est devant le G-World. C'est incroyable, c'est magnifique. Et en haut, il y avait une exhibition, il y avait un millier de japonaises parce qu'il y avait un shoujo qui faisait un petit événement, je pense, avec des goodies exclusives etc. Et voilà ce qu'on va voir là, le G-World, c'est juste trop classe. Pardon, excuse-moi. Je m'en fous, tu peux passer devant, tu sais, c'est pas grave. Allez, on va aller dans la capsule et tout, c'est genre, c'est incroyable. Je vais vous filmer ça de l'intérieur. Rien que l'entrée est trop stylée. On a One Piece ici, Naruto, Kitun, Goku. Et après voilà. Bienvenue au G-World à Tokyo les gars. C'est énorme, c'est magnifique. Regardez. Et en fait là, je crois qu'on peut cliquer sur un personnage. Là, derrière vous, voilà. C'est trop stylé. Ah, il y a Boubou. Il y a Boubou. Oh non, il est parti ce bâtard. Vegeta, le prince des Saiyans. Oui. Là. Non, ça. Jamais il fait ça, Vegeta. Ah, c'est énorme, on va faire le tour. On vient de dévaliser. Il restait plus que 6 tickets à prendre. Il y avait la figurine offerte avec. Elle est magnifique. Il semblerait qu'on soit arrivé à Nakano Broadway. On va voir si c'est ça, mais en tout cas, je sais, si c'est pas ça, c'est magnifique. Matez-moi ça. C'est juste trop beau, putain. Oh là 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 là. C'est un délire. Jeune dame pour vous montrer un peu les figurines, c'est incroyable. Voilà ce que je veux. Il y a un petit peu de tout. Par exemple, hier dans le mandarake, celle-ci je l'ai vue à 1500 yens. Là elle est à 3200, donc ça fait un peu cher quoi. Mais là par exemple, celle-ci c'est à 2000 yens, 2500. La Migate là, 1800 yens, c'est incroyable. 1800 yens, c'est que dalle, ça vaut. Ouais. Oh,
Et là voilà, là on va trouver plein de mandarakés. Avec chacun un peu sa spécialité, je crois que là on est plutôt sur du jouet. Sur du jouet quoi, pas sur du manga. Et regardez ça, c'est magnifique. Hop, on va y rentrer parce que ça a l'air trop beau. On se baisse un petit peu parce qu'on est trop grand, non? Mais c'est magnifique. Regardez, c'est des capsules qui flottent comme ça. C'est trop trop beau. Tous les jouets Godzilla ici, ils en raffolent, ça a des prix incroyables les jouets Godzilla. 160 000 yens ça. Bref, je vous filme un petit peu là pour vous montrer parce que c'est juste trop 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 beau. C'est magnifique. Voilà. Hop. Allez, on va chercher des figurines. Voici l'intérieur du musée Ghibli. Alors en fait j'ai le droit de filmer mais que dehors. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, on a le droit de filmer à l'extérieur. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai vu déjà qu'il y avait des jolies statues et tout en haut, donc du château d'Ancel. Donc dès que je monte en haut je vous filme ça. Honnêtement dedans c'est assez fou franchement. Par contre je sais pas combien vous le paierez sur internet parce qu'il faut le prendre bien avant. Mais nous comme on a un ami qui habitait ici, on a payé que 1000 yens, mais je crois que ça vaut une blinde normalement. En tout cas, c'est hyper classe. Je pourrais te filmer dedans, mais bon. Ça vaut 43 euros, je crois. Ouais, donc 5 000 yens, quoi. Sinon, on l'a payé 1000 yens.